Que salut. Alors, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi est-ce que je vais aller droit au but parce que je suis un peu pressée. Je voulais vous faire un petit coucou et puis faire une petite vidéo de quelques minutes là pour vous dire pourquoi est-ce que Donald Trump, la politique de Donald Trump, pourquoi Donald Trump hate so much Iran, pourquoi Donald Trump hait l'Iran. En fait, Donald Trump, il hait l'Iran. C'est comme les puissances, les grandes puissances, ce qu'on appelle les grandes puissances, ils haient souvent ou ils détestent souvent, ou bien ils ont la psychose de certains pays africains ou bien de certains pays dans le monde quand ils n'ont pas la main sur elle. Ils détestent l'Iran parce qu'ils ne voient pas ce que l'Iran fait. You know? Ils ne voient pas ce que l'Iran fait avec tout ce qui est chimique, tout ce qui est atomique et tout ça. C'est une peur pour l'Europe, c'est une peur pour l'Amérique, c'est une peur pour les grandes puissances quand ils n'arrivent pas à mettre la main, quand ils ne savent pas ce que les pays font. Parce que ce qui fait d'une souvent des grandes puissances, c'est souvent leur apport militaire. C'est la force militaire qui fait que les pays se disent grandes puissances. Mais si par exemple en Afrique, quelqu'un trouve la formule de la bombe atomique, je pense que, et qu'ils savent, ils vont commencer à avoir peur, ils vont commencer à investiguer sur l'Afrique ou bien ce pays-là, et ils ont toujours peur. C'est la peur qui fait qu'ils se disent, ils contrôlent, ils détestent les pays émergents, etc., etc. C'est l'une des raisons pour laquelle les États-Unis, ou bien même la politique de Donald Trump détestant l'Iran. Même s'il déteste l'Iran ou pas, c'est qu'il est sûr. Il y a un de mes abonnés qui commentait, il a dit, ben Lisa, c'est à cause de tout ce qui est militaire. Si les pays arrivent à avoir des trucs militaires, je pense qu'ils vont commencer à avoir plus peur et ça va donner plus de la force à nos pays africains et autres. Allez! Bisous et c'est tout. Peace. Bye.